Alors là, c'est pareil, je viens de faire du tri. En fait, la porte que vous voyez dans mon salon, je sais pas si, là, il y a la télé. Et là, vous avez une porte. En fait, cette porte, elle mène ce que j'appelle ma buanderie. Parce qu'il y a le chauffe-eau, etc. C'est une pièce qui est hyper froide parce qu'elle est mal isolée. Donc, du coup, on laisse toujours la porte fermée. Et donc, du coup, j'ai ma machine à laver, mon sèche-linge. Et donc, du coup, là, j'ai tout ce qu'il faut. Faire les machines, etc. Et là, j'ai un stock. Alors, c'est un petit peu encore le bordel parce qu'il y a certaines choses que franchement, j'arrive pas à caser autrement. C'est vraiment très très difficile. Voilà, dans une maison comme la mienne, avec 3 enfants, etc., avec toutes les affaires qu'on accumule. J'ai aussi un garage, mais je peux pas mettre grand chose parce qu'il est assez humide. Donc, du coup, je préfère pas mettre de choses qui craignent du coup là-bas. Donc, du coup, bah voilà, je mets tout ici, mais c'est vraiment. Voilà, j'ai vraiment dû faire un gros tri. Là, vous voyez, c'est là pour moi, c'est trié. Donc imaginez un petit peu avant. Donc là, j'ai mis. Là, normalement, c'est tous mes torchons de vaisselle. Ça, c'est ma chiffonnette pour ma machine à vitre Karcher. Ça, c'est mes chiffonnettes, vous savez, pour mon balai aspergeur, là, que je sais pas comment vous l'appelez. Balai vaporisateur. Là, c'est les lingettes que je mets dans le sèche-linge. Elles sont super. Alors, j'ai préféré celles-là, hypoallergéniques, parce que je trouve qu'elles sont meilleures que celles-ci, Grand Air. J'ai vraiment préféré celles-ci. Et celles-ci sentent beaucoup plus, je trouve, que celles-ci. Ensuite, là-bas derrière, j'ai mes produits Sanitol. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que je suis fan de cette marque. Donc j'ai presque tout avec cette marque, donc, y compris les produits linge. Ensuite, j'ai un assoupissant, un adoucissant, cajoline, hypoallergénine, c'est pareil, c'est pour le linge de la petite. Détachant, celui-là, il est pas mal. Détachant gold. Et celui-là, c'est pareil, c'est dans la même gamme. Ça, c'est vraiment quand j'ai vraiment une grosse tache, je mets dessus, je frotte bien, justement, parce qu'il y a une tête. Tête frotteuse comme ils appellent ça. Et après je mets une dose de poudre. Là j'ai mis les lingettes Décolore Stop. Mes recharges de bulles. Parce que ça dépend ce que je fais comme machine. Des fois j'utilise celle-ci. Des fois celle-ci parce qu'il y a du détachant aussi à l'intérieur de celui-là. Derrière j'ai des tablettes spéciales blanc. Et là-bas, il me semble que c'est de l'ammoniaque pour détacher certaines taches de textile résistant. Ensuite, là, j'ai mon stock de lessive. Donc, j'ai la super quoi que j'avais eu sur une vente privée. J'avais eu, je crois, les deux pour un prix vraiment 7 euros. Je crois que j'avais eu les deux flacons comme ça. Donc, celui-là, c'est fleur d'hibiscus et lait de vanille. Celui-là, c'est Bora Bora. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci pour le linge de la petite. C'est le skip sensitif, mais je n'en rachèterai plus parce qu'il est hyper cher. Cette lessive-là, elle est vraiment pas, elle est vraiment pas donnée, donc j'en rachèterai plus. Et elle n'est pas non plus extra. Je préfère maintenant utiliser ces bulles-là. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est aussi skip, mais je ne me rappelle plus. Non. Il n'y a même pas la marque parce que c'est pas d'origine, ça. Si, c'est skip, voilà, c'est ça. C'est exactement les mêmes. Voilà. Celle-là. Je préfère utiliser celle-ci, du coup, les skips, que cette lessive. Ensuite, pareil, ça aussi, j'ai eu sur une vente privée. J'en ai eu deux flacons. C'est le Mini Doux, la vie en rose. Il sent extrêmement bon, celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté pour justement aller avec les lingettes qui vont au sèche-linge. Mais je ne suis pas du tout fan. Hein. Moi, je n'achète jamais, en fait, celui-ci. Et celui-ci qui, pour moi, reste un des meilleurs. Pareil, Soupline hypoallergénique ou l'autre Cajoline hypoallergénique. C'est pareil, c'est les deux, pour moi, qui sentent le bébé, quoi. Ensuite, au-dessus, j'ai ma friteuse, la machine à raclette, quelques casseroles. D'ailleurs, j'ai les papiers cadeaux en essayant d'éviter que les enfants les voient. Là, j'ai de la vaisselle, j'ai du ruban pour le papier cadeau. Là, j'ai une machine à pizza. Et à tarte. Pareil, c'est encore de la vaisselle. Là, j'ai les Soresa salade. Derrière, j'ai une bonbonne pour faire des jus en été. Là, à l'intérieur, je vous montre pas parce que c'est super lourd, mais j'ai des conneries. J'ai ce qu'on appelle ça, le sac, le coin à conneries. Où on ne sait pas où mettre les choses, ben on le met là-dedans. Voilà.
Au-dessus, j'ai mon grille-pain qui est là. J'ai ma machine Senseo que j'essaye de vendre ici. Derrière, j'ai la plancha. Là, j'ai un sac à main. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. D'ailleurs, je devrais même pas le mettre ici. J'ai encore des grosses casseroles qui ne rentrent pas dans ma cuisine. Derrière, j'ai le Nicer Dicer, mais c'est pas le vrai, je pense. Enfin, je pense pas. J'ai acheté sur Amazon, donc je pense pas que ce soit le vrai. Là, j'ai un colis Colissimo parce que je garde le carton pour faire un colis. À l'intérieur, j'ai tout ce qui est pâtisserie, c'est-à-dire les moules, les emporte-pièces. Et là, c'est pareil, j'ai encore des emporte-pièces et plein de trucs. Là, j'ai le carton de la vie que je garde. Là, j'ai de l'acétone pour ma cheminée de table. Des paires de converse, des paires de Derbys. Derrière, j'ai un gris multifonction là, de Lidl qui est d'ailleurs génial. Là, j'ai les Dentastix de mon chien. Là, j'ai des paquets de mouchoirs en rame, la balayette, des boîtes à chaussures avec des chaussures à l'intérieur encore. Là, franchement, j'ai mis ça comme ça, mais j'ai honte. C'est le seau, mais je ne l'utilise plus du coup, vu que j'ai. Vous savez, j'ai celui-ci du coup. Donc, j'utilise rarement, mais je le garde. La boîte à outils, ça, c'est une petite pochette que j'accroche sur ma poussette quand je ne veux pas emmener le sac à langer. Ça, c'est des ampoules en rab de monampoulegratuite.com, des chaussures, des pieds de lit, du vin blanc, des petites bouteilles d'eau encore, du lait. Ça, c'est des bottes que je garde aussi. Ma planche à repasser, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je la garde parce que je ne fais jamais de repassage, mais bon, je la garde quand même pour cas où quand j'ai des chemises, etc., à repasser. La boîte de mon trépied, encore des boîtes de chaussures que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. Je vous les montre d'ailleurs. Alors celle-là, elle est vide parce qu'elle est de l'autre côté, dans le salon. J'ai celle-ci. Voilà, imitation Santiago. Et moi, j'adore ça. Elles sont ouvertes sur le côté et à l'intérieur aussi. Du coup, celle-là, je ne les ai pas encore mises. Je mets plus les autres, les noires. Du coup, je vais vous les montrer tout à l'heure. Derrière, j'ai un tableau. En fait, c'est un tableau que j'ai gagné à mon travail. Le problème, c'est qu'en fait, ils l'ont fait gagner. Si vous voulez, moi je travaille dans un magasin de bricolage. Donc du coup, il y a de la déco aussi. Et ils mettent en. Comment c'est une tombola en fait qu'on fait tous les ans à Noël. Donc du coup, on gagne des choses du magasin. Et j'ai gagné ce tableau. Le problème, c'est qu'il y a une faute dans ce tableau. C'est dommage parce qu'il est super beau. Je ne pouvais pas vous le montrer en entier parce qu'il y a la clim là derrière, devant. Mais voilà, il y a une faute. Je ne sais plus dans quoi. Toujours. Mais bon, il y a une faute, donc du coup je le mets pas du tout. Ensuite, là j'ai ma clim sur roulette pour cet été. Normalement, elle est en haut dans notre chambre parce qu'on crève vraiment de chaud là-haut. Là, j'ai quelques bouteilles d'eau, pareil là. Ce WC, ne vous inquiétez pas, il est condamné. On ne l'utilise plus parce qu'on en a deux. On en a un en bas et un en haut. Mais on n'utilise plus celui-là parce qu'il a un problème de. Il évacue pas bien, donc du coup, on l'utilise plus du tout. Bouteille d'eau, là j'ai mon balai. Alors celui-là, vous êtes vraiment nombreux à me demander où je l'ai acheté. Alors je l'ai acheté sur Amazon pour 24 euros et ça me change vraiment, vraiment la vie. Je n'utilise plus que ça, c'est vraiment pour moi un gain de temps. Or que avant, je sortais le seau, je préparais l'eau, la serpillière, etc. Enfin, c'était pour moi, c'était un temps gâché pour rien alors que j'avais que le. Que quand j'ai découvert ça, ben voilà, ça m'a révolutionné ma vie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Je l'avais déjà mis dans une de mes vidéos, mais je vous le remettrai. Là, j'ai un balai. Là, j'ai la coque de ma fille. Du coup, que je laisse là en attendant quand on ne l'utilise pas, quand on est à la maison. Là, j'ai le vieil aspirateur que je garde quand même pour aspirer la voiture, parce qu'avec l'aspirateur balai, c'est pas possible. Les croquettes, des tableaux, enfin des masques que je devrais vendre, mais que j'arrive pas à vendre. Et là, vous arrivez au compteur et là, vous avez la porte. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment très restreint dans cette pièce. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, je fais comme ça. Pour l'instant, ça a été. Bon, bah, il faut faire un tri, mais bon. Voilà. Pour celles qui me demandaient où je faisais mon linge. Voilà, donc ça, c'est les chaussures dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est mes préférés. J'adore le style Santiago comme ça, clouté et tout. J'adore ça. En plus, elles sont super confortables. C'est du 38, elles me vont pile poil. Je vous mettrai le lien où je les ai achetées dans la barre d'infos si je retrouve.
Alors là, je reviens de chez Lidl et comme d'habitude, j'ai dit que j'allais faire 3-4 courses et en fait, je reviens avec le chariot plein, comme d'hab. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Là, j'ai pris une boîte de gants parce qu'il y avait une promo dessus, on avait 100. Et en fait, je les ai pris pour faire tout ce qui est pâte à malaxer avec les mains. Ensuite, j'ai pris du bacon. Comme toujours, j'ai pris des choux de Bruxelles parce que ça, j'adore ça. Je pense qu'à force de mes retours de course, vous commencez à me connaître. Ensuite, deux purées de tomates bio. Ça, j'en prends tout le temps, j'en ai tout le temps besoin. Deux paquets d'œufs bio. C'est pareil, comme vous le savez, moi j'en prends toujours élevés au sol et de préférence bio. Là, il y avait une promo. Le premier était à 5,75 la première boîte et le deuxième était à moins 70%. Donc ça m'est revenu les deux pour 6 euros les deux et 6 euros et des brouettes les deux. Deux paquets de lessive, skip. Des oignons jaunes. Du café, il n'est pas super bon celui-là, mais bon, il m'en fallait de secours là, du café. J'en avais... Ça fait une semaine en fait que je me réveille tous les matins sans café et je commence vraiment à péter un câble le matin. Donc du coup, bah, j'étais à Lidl, j'en ai pris, mais normalement je prends pas celui-là. Des oranges à dessert, parce que la dernière fois j'ai pris des oranges à jus et mes enfants ont voulu des oranges à dessert. Donc, du coup, je leur en ai pris. J'ai pris des pommes de terre rouges parce que c'est mes préférées, celles-ci. Encore des carottes, parce que ça j'en utilise pour tout et dans toutes mes recettes. Des poireaux encore, parce que c'est la saison, donc du coup moi je prends beaucoup de légumes de saison. Donc des poireaux. Là j'ai pris des nonnettes, j'en reprends toujours et je prends particulièrement celle à la mirabelle, c'est mes préférées. Il y a orange, cassis, chocolat aussi j'ai vu. Je les ai tous goûtés, mais mes préférés restent ceux à la mirabelle. Ensuite, des galettes de riz bio. Ça, c'est pareil, j'en prends régulièrement. Celles-là, elles sont au chocolat au lait et à la noix de coco. Et celles-là, elles sont au chocolat noir. Chocolat noir, c'est mon chocolat préféré. Mais vu que là, il y a de la noix de coco par-dessus, j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris du beurre pour faire la pâtisserie. Vu que c'est la semaine américaine, j'ai pris ça. Je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air bon. Je sais pas, c'est la mousse à l'intérieur avec du chocolat et une gaufrette. Ça a l'air pas mal. J'ai pris des panais pour faire une purée pour ma fille, du coup. De l'emmental. Encore de la margarine. De la crème entière liquide. Deux tablettes de chocolat bio. Pareil, c'est du chocolat noir 85%. Il est super bon celui-là, j'en prends souvent. Il est très très bon. De la crème fraîche épaisse entière. Un gros pot de Nutella. Alors celui-ci ne vient pas de chez Intermarché, il vient bien de chez Lidl. Je l'ai payé 4,07€. Voilà, je ne me suis pas battue pour en avoir un de chez Intermarché, parce que j'avais pas la foi. Là, j'ai pris du vin blanc sec de table. J'en prends toujours pendant mes recettes. J'en rajoute toujours un peu quand je fais des bonnes recettes avec de la viande blanche. Voilà, j'en rajoute à chaque fois. Et en général, je prends aussi du vin rouge, pareil, de table, pour faire avec mes steaks hachés et pour mes viandes rouges. J'ai pris une mousse nettoyante spéciale tapis et moquette. Celui-ci, je l'ai payé 1,49€, donc c'est vachement raisonnable. Parce que normalement, c'est au moins 3 ou 4 euros le gros flacon de vanille. Ensuite, j'ai pris ça, c'est pour dans le lave-vaisselle. Vous savez, les petits désodorisants pour le lave-vaisselle. Ça, c'est pour mon fils, les muesli le matin. C'est ce qu'il prend au petit-déj, il aime bien ça. Ça, c'est pareil, ils me l'ont demandé. Normalement, j'achète pas ça, je trouve que c'est... C'est trop d'emballage pour ce que c'est. C'est comme des petits filous, vous savez. Des petits yaourts en tube là. Donc, mais bon, ils les ont demandé, donc je leur ai pris. Mais bon, moi, j'aime pas trop acheter ce genre de choses. Ensuite, ça, c'est des petites gourmandises. J'avais jamais vu en fait avec de la noix de coco à l'intérieur. Je les connaissais simples avec de la noisette, il me semble.
Avec la coco, je connaissais pas, du coup j'en ai pris. Et pour terminer, j'ai pris du miel pour ma recette de du porc au caramel. Bon, eh bien, je viens de goûter ces petites choses-là que je vous ai montrées, du coup. Et en fait, je trouve pas ça super génial, finalement. Le chocolat à l'extérieur est pas tellement bon. Et la mousse à l'intérieur, trop compacte, je trouve. Et je pensais que c'était une gaufrette, ça. En fait, non, c'est un genre de biscuit sablé. Voilà, pas spécial. Si c'était à racheter, je pense pas que je le rachèterais. Ici parce qu'il est déjà 6h moins le quart. Du coup là je vais aller baigner la pépette qui est ici, je vais les envoyer à la douche, lui et son grand frère qui est encore dehors, parce que en fait si vous le voyez pas souvent dans les vidéos, c'est normal, c'est que soit il est à l'école, soit il est dehors en train de jouer avec ses copains, parce que je le sollicite au maximum à aller arrête s'il te plaît. À aller au maximum à l'extérieur, à jouer dehors, parce qu'ils sont assez devant les écrans là. Parce qu'ils sont assez devant les écrans, je trouve, même si, voilà. Moi, la semaine, ils ont pas droit de console, pas droit de DS, etc. Voilà, ils jouent pas à la console la semaine. Le week-end, ils ont droit. Et encore, le week-end, voilà, c'est vraiment s'il fait moche et qu'ils ont rien d'autre à faire, parce que sinon, bah, moi, je les envoie dehors. Le Nolan, je peux pas encore parce qu'il est. Je pense que. Je le sens pas encore assez mûr pour aller à l'extérieur tout seul. Il est encore trop petit, du coup voilà, c'est le grand qui est dehors. Lui, il est très autonome, lui, il se débrouille complètement, donc il n'y a pas de souci. Et puis il est avec ses copains, donc c'est toujours mieux que devant des écrans. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, oui, du coup, je clôture ce vlog d'aujourd'hui ici. J'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous. Ciao! Ciao!